N'hésite pas à regarder. Merci de ta visite. Porteur d'aigle, j'ai entendu dire que ton navire et ton équipage étaient redoutables. Que dirais-tu d'aider Sparte à porter un coup à la flotte athénienne? Mon équipage et moi vous accompagnerons. Très bien. Allons envoyer ces Athéniens par le fond. Sur nous.
Lâchez! Soyez prêts à tirer! Malaka! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai consacré ma vie à devenir une fille d'Artémis, mais elles disent que je ne suis pas assez forte pour ça. Suivre quelqu'un, c'est un signe de faiblesse. Mais ça fait si longtemps que je vénère Artémis. Ta vie t'appartient. Si ton but devient inaccessible, trouve-en un autre. Un nouveau but? Je ne saurais même pas où chercher. Non, je refuse d'abandonner. J'ai une idée. Laquelle? Je vais les rejoindre quand même. Je vais me glisser dans leur village et vivre parmi elles. Aide-moi. Je te donnerai toutes les drachmes que j'ai. Je vais t'aider. Les filles d'Artémis sont dangereuses. Et si jamais elles te découvrent... Je prends le risque. Ce qu'il me faut, c'est un élément d'armure, un couvre-chef et des bottes. Je reviendrai avec cet équipement. Merci, Mystios. Tu vas devoir être discret pour tout récupérer. Et s'il te plaît, essaie de ne blesser aucune fille. Les filles d'Artémis sont là où l'avait dit Brice. La grue. C'est ici. Les filles d'Artémis. Ce doit être la hutte de la fille préférée. C'est là.
Cet endroit sera en alerte. Le marchand avait raison. Je n'avais jamais touché de peau aussi douce. La clé n'est pas là. Le chef est près de la hutte centrale. Le village a quelque chose de différent. Ah!
histoire de Ligeia. J'espère qu'il ouvrira l'antre de la terreur ondulante comme prévu. Ce doit être la grotte où sont les bottes. Je vais voir si ce marchand peut me faire une tenue complète avec ses peaux si douces. Merci, Icaros. Ah.
Espérons que personne ne me remarque. Un intrus! Le spectacle t'a plu, Arès ?
Il y a quelqu'un ici. Qui a pu faire ça? Je vois un corps là-bas. Qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Fini là.
J'ai toutes les peaux. Il est temps de rentrer à Mytilène et de récupérer mon plastron. Je vois que tu m'as apporté des présents. Toutes les peaux devraient être là. Oui. Mais ton épreuve n'est pas terminée.
Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as prouvé aux yeux d'Artémis tes talents à la chasse. Mais il te reste une créature à vaincre. Une proie qui n'a rien d'ordinaire. Pour ce dernier affrontement, retrouve-nous, mes sœurs et moi, sur la falaise qui surplombe notre village. Attends, pourquoi ce secret? Parce que c'est plus amusant ainsi. Au secours! Les dieux soient loués, Amistios! Qu'est-ce qui se passe? Mon mari a été tué, et on a emmené mes deux fils. Des bandits se sont emparés de notre ferme, dans la forêt des larmes, et j'ai peur qu'ils en fassent des esclaves! Les bandits restent rarement en place. Ils ne tiennent pas de ferme et ne prennent pas d'esclaves. C'est vrai. La ferme n'a pas toujours été à nous. On a payé les bandits pour l'avoir. Mais une fois à court d'argent... Un bandit, c'est forcément un voleur ou un meurtrier. Tu t'attendais à quoi? Mais une ferme contre la vie des miens? C'est un marché qui n'a pas de sens. Les bandits se fichent de ce qui a du sens. Ça, j'ai bien compris, oui. Tu es sûr que tu n'as rien d'autre à me dire? Certaine. Pardon de t'avoir caché la vérité. Si tu ramènes mes fils, je trouverai un moyen de te payer. Je vais t'aider. Mais à l'avenir, réfléchis avant de faire affaire avec des bandits. Loué soit Athéna. C'est promis, merci. Je vais aller à ta ferme et voir ce que je peux faire. Fais vite! Occupe-toi de ces bandits et sauve mes fils avant qu'il ne soit trop tard. La ferme est au sud de Chios, dans la forêt des larmes. Attaquera sans poser de questions. Mieux vaut se faire discret. Journée comme...
voir si c'est grave. Hey. Mystios. Ça fait beaucoup d'arbres abattus. Ce bois serait le bienvenu à bord d'un navire. Tout le monde sait que le meilleur bois de charpente de marine vient de Chios. Mais le dirigeant de Lesbos continue à vendre nos produits à d'autres cités-états. Il gagne en influence et nous, nous perdons de l'argent. Les dirigeants ont le devoir de servir leur contrée et leur population. C'est vrai, mais celui-là se laisse guider par son avidité, purement et simplement. Alors ce n'est pas un dirigeant. Exactement. Et si on élimine la source du problème, celui-ci disparaîtra de lui-même. La population de Lesbos mérite de tirer profit de ses ressources. Si je t'engage, tu nous aideras ? Je peux contribuer à régler ton problème. Je vais vous débarrasser de ce problème à Mytilène. Quand ce sera fait... j'enverrai la récompense à ton avis. Je dois chercher le dirigeant chez lui, au fort et au temple. Je veux sortir! Sors-moi de là! Toi là-bas! Artemis t'a envoyé me sauver! Oh, mais je vais te faire!
On sait pas où. Merci, le bipède. Mais ce serait dangereux de parler ici. Retrouve-moi derrière le temple de la ville de Kios. Suis-moi! Hey! Suis-moi! Suis-moi! Le bipède! Béni sois-tu, le bipède. Je suis Zoé, une fille d'Artémis. Merci de m'avoir libérée de ces hommes des pierres. Tu avais l'air d'être en situation difficile et d'avoir besoin d'un coup de main. Ils étaient trop nombreux. Impossible de m'enfuir. Je suis libre. Je peux préparer notre vengeance contre les hommes des pierres. Notre vengeance? Il y a quelqu'un d'autre? Mes frères et sœurs à quatre pattes, les créatures des bois. Nous allons nous venger des hommes des pierres. Ceux qui nous prennent notre île. Ces hommes des pierres ont des armes et des défenses. Ce ne sont pas des cibles faciles. Et c'est pour ça que j'ai besoin de mes amis animaux. Tu veux bien aller les libérer eux aussi? En remerciement, je te donnerai mon meilleur arc. Les animaux doivent vivre libres. Je savais que tu penserais comme moi. Mes frères à quatre pattes sont retenus dans deux campements de la région des Boisés. Libère-les afin qu'ils retrouvent la nature. Je vais m'en occuper. Sa famille enfermée est dans la région des Boisés. L'avant-poste.